On le sait, la ville de Percé a décidé d'investir dans le tourisme hivernal, une des attractions majeures et très certainement le Red Bull Ice Cross World Championship. On sait que Jerry Sheen avait investi dans l'aventure l'an dernier, avait présenté un premier événement et cette année, ce sera encore plus gros, mais vraiment beaucoup plus gros. Fait qu'on a décidé justement d'aller faire un petit tour là-bas en fin de semaine dernière pour voir comment les préparatifs et très sincèrement ça va bon train. Fait qu'on a rencontré les organisateurs. On parle entre autres de Stephen Cox, Jerry Sheen et Daphné Pitre et vous allez voir, ça risque d'être tout un spectacle. Bonjour Daphné, on est en plein préparatif pour le Red Bull Ice Cross de Percé et toi tu t'occupes davantage de la logistique. Quand on regarde un petit peu comparativement à l'an dernier, à quoi ça ressemble? Bien, c'est sûr que le parcours à la base est complètement différent. Donc, on a vraiment là, la grosse structure Red Bull cette année avec beaucoup plus de croches, beaucoup plus aussi d'obstacles. Donc, pour ce qui est de la logistique, là, vraiment de la course, là, on a vraiment upgradé là, tout notre setup. Mais c'est ça, effectivement, on se rend compte que les installations sont beaucoup, beaucoup plus importantes. Ça signifie que vous avez été chercher pas mal de monde, pas mal de commanditaires. Comment ça s'est passé? Et comment ça se fait d'ailleurs qu'à la deuxième année, déjà, vous êtes rendu à un stade, on va se le dire, pas mal plus élevé? Bien, c'est sûr là, que cette année, on aurait peut-être été plus sévère dans 2-3 ans pour avoir un événement là, d'une telle envergure. Il faut se rappeler que c'est les championnats du monde qu'on attend la semaine prochaine à Percé. Donc, c'est vraiment là, le travail acharné de Jerry Sheen, qui est l'investigateur de tout ce beau projet-là, m'a dit qu'il a poussé vraiment là, Percé pour qu'on arrive à avoir un tel événement. Donc, toi, t'es pas originaire de Percé. Qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi un petit peu, ton si tu me permets l'expression, ton background. Je suis un petit gars originaire de Québec. J'ai été le gars d'anglaise toute ma vie, à vrai dire. Après ça, j'ai joué au hockey vraiment toute ma carrière. Puis ensuite, j'ai découvert le Red Bull Crash Test qui a participé à Québec en 2010, si je me trompe pas, avant ça. Puis je suis tombé en amour avec ça, la construction des modules et tout. Moi, j'ai fait du ski, j'adore tout ce qui est extrême. J'aime construire et aussi j'aime beaucoup rider le parcours. Puis là, tu as décidé de venir donner un coup de main à Percé. Dans quelles circonstances? Comment c'est arrivé, ça? Il y a eu une course il y a 2 ans à Lassar, en Abitibi. J'ai rencontré Jerry. Puis suite à ça, l'année dernière, Jerry a décidé de faire un petit parcours avec un petit carré de sable, comme on pourrait dire. Puis c'est ça, il m'a demandé de venir voir son parcours, puis il voulait prendre des photos. Donc, je suis venu voir pour faire ses photos puis essayer son parcours. Puis à ce moment-là, j'ai vu qu'il avait besoin d'un petit coup de main. Donc, moi, je suis rendu avec une bonne expertise dans ce domaine. Donc, j'y ai donné un coup de main à Jerry. J'ai donné un peu une couple de petits atouts pour que son parcours puisse marcher. Puis, on a réussi à apporter ATSX ici pour faire un petit parcours de Red Bull Crash Test, qui est un ATSX 100. Qui est les plus petites courses, mais qui donne quand même des points pour aller faire les plus grosses courses. Là, on se rend compte que le parcours, ça n'a rien à voir avec l'an dernier. Encore, on discutait en pré-entrevue justement que vous êtes encore en train d'améliorer le parcours. À quel moment est-ce que ça se finit, ça, là, l'amélioration continue? Là? Ça a fini hier. C'est hier que ça a fini l'amélioration du parcours. Là. Le changement de trajet, c'est qu'on a la même distance que l'an passé. Sauf qu'on a plus que le double de dénivelé. Ce qu'on n'avait pas pensé, c'est que c'est 2 fois plus rapide. La course n'aurait pas été longue. On a dû rallonger le parcours. Fait que les dernières 48 heures, ça a bougé ici. Les voisins n'ont pas dû dormir beaucoup. Désolé. Dis-moi, l'an dernier, bon, t'avais quand même réussi à faire à l'arraché un parcours. T'as réussi à livrer la marchandise. Cette année, on se le dit, c'est beaucoup, beaucoup plus gros. Est-ce que tu t'y attendais? Je m'attendais à plus gros que ça. On se fixe des grosses attentes. Hein. Quand je suis ambitieux, j'aime avoir j'aime voir grand puis réaliser grand surtout. Ouais. De pas juste le dire, de le faire. Au niveau des compétiteurs, là encore, c'est plus du tout la même paire de manches. Là. Non, à ce moment-là, non, c'est sûr, c'est pas... on a des plus gros noms qui vont venir, vu que c'est une manche qui est nécessaire à des gens pour le circuit. Maintenant, on a des courses un peu partout dans le monde, mais il faut être capable
de bien choisir ses combats, comme je pourrais dire, choisir ses bonnes courses pour pouvoir aller accumuler ses points. Donc, tu sais, s'il y en a une ici, puis en même temps, il y en a une au Japon, bien là, les gens d'Amérique du Nord viendront de ce côté, l'Europe. Le dépendamment où en Europe, ils vont pouvoir peut-être ici ou aller, mettons, au Japon. Donc, c'est ça. C'est rendu à une place qui est marquée sur la map, là, pour lui. Quand on regarde du côté de la programmation en tant que telle, à quoi ça ressemble? Donc, jeudi, vendredi, ça va être les qualifications. C'est des courses individuelles, meilleurs chronos qui comptent pour se qualifier pour les grandes finales du samedi. Donc, le samedi, ça va être en plein jour à partir de midi avec la vue qu'on a. Normalement, Red Bull font les finales le soir, mais là, on a le rocher percé puis la piste qui est directement vue dessus. Donc, ça va être en plein jour. Là, c'est l'ensemble de la municipalité de Percé qui est embarqué là-dedans. Ça signifie que, bon, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions par rapport à la restauration, l'hébergement. Comment ça se présente justement pour les visiteurs? Bien, on a des hôtels qui ont ouvert pour l'hiver, pour cette période-ci. Il faut se rappeler que Percé vit plus l'été que l'hiver. Donc, on a réussi là, à aller voir des gens, faire ouvrir des restaurants. On va avoir M. Émile qui va être ouvert comme restaurateur. On a aussi l'auberge La Table à Roland, autant du côté motel que restauration. On a le camp de base à Coin du Banc qui va être ouvert. On a aussi beaucoup de petits gîtes, mais aussi, là, c'est tout ça. Là. C'est vraiment là, un travail d'équipe qu'on a. D'accord, donc on ne s'inquiète pas, si on se présente à Percé, on va trouver un endroit où manger, un endroit où se loger. Daphné, merci infiniment, on va vous souhaiter beaucoup de chance, on vous souhaite pas trop froid, pas de tempête de neige et que tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes. Merci. Merci beaucoup.